Baignons de larmes, à tais-toi de
Frère Xerce et ses lois, et tout visiteur de nos pays. Toute célébration religieuse, il y en a un élément principal, l'espoir. Au fond, sa relation entre humain et son bon Dieu, il y en a sa l'aspiration et sa croyance profonde, qui bon Dieu est non seulement créateur, mais un qui content son enfant, protège-le, guide-le, et emmène-le dans un sentier, côte quelque chose pour plus bon et plus bien. Il partage nous la joie et dans nos difficultés, il donne nous l'encouragement pour à la lumière chaque nouveau jour, comment est source la force et continuité. C'est ça nous l'expérience ici, c'est celle, pendant sa l'année. Pour ça, nous remercions bon Dieu Tout-Puissant. Sa relation profonde, entre créateur et son créatif, il aussi emmène-lui un sentiment qui aide-lui vivre bien en communauté. Il est évident dans toute société que c'est l'harmonie et considération pour vivre comme un frère excès qui permet de différents peuples pour montrer solidarité, bouge des vents, faire progrès et vivre dans la paix et la joie. Célébration la fête Noël, il renforce sa sentiment et fait l'ivine et l'expression vraiment sincère. Noël, il y a un moment l'espoir. L'humanité peut célébrer l'arrivée Jésus dans le monde. Chrétien, il acclame-le comme un garçon bon Dieu, Messie et rédempteur à travers qui l'humanité gagne sauvée dans notre péché et vive éternellement avec bon Dieu. Il montrait un semain que si nous pardonnons nos frères que nous sommes, embrassons la paix, suivent ses mains la vérité, la lumière et la vie, en mesure qu'il nous laisse son amour, vienne nos réalités chaque jour, nous pour construire son royaume ici-bas sur la terre. Ça veut dire nous tous, nous avons vivre et respecter son la volonté. Noël, il donne nous tous sur la terre, Cécile, et n'importe quel endroit qui nous vive, c'est un moment pour partager un moment de réconciliation, un moment l'amitié et l'amour. Il permet nous pour regarder des gens autour de nous avec un nouveau lisier. Il pousse nous les cœurs pour en plus compassion pour les gens qui sont moins fortunés ou bien qui passent dans la difficulté de la vie. En d'autres mots, il fait nous réaliser qui ça qui faut, il besoin lève ça qui faible. Ça qui en a, il mérite, regarde ça qui n'a pas. Et ça qui erré, il devrait te montrer compassion pour bonne qui la vie lui-même peut battre saute. Il y a un moment la partage, quand l'égoïsme et mazinzis nous les corps, il gagne sacrifié pour un, quand chaque individu, il regarde tout le monde comment un frère, un sœur. Et nous tous, comme un enfant, sa grand mythe, nous créateur. Et bien que Noël y tombe la fin et l'année, à cause aussi, permettez-nous rentrer dans ce moment de réflexion pour regarder nouveau l'année qui peut venir. Une semaine, il se passe à des moments importants dans nos vies. Je tombe même jour. Alors, mon prier, qui célébration naissance Jésus, et vraiment tous nous les cœurs d'une façon profonde et permettent nous tous pour ode la sagesse bon Dieu qui pour guide nous aujourd'hui et dans sa nouvelle année. Friends, today we are invited to share the hope of Christmas. May our hearts be reminded that we are celebrating Emmanuel, God is with us. Let us acknowledge that if God is with us, guiding us into walking with Him, we will accomplish greatness in our life, in our family, in our community, in our country, and in our world. Today, may we march forward with our God, through His Son, our Savior, as we forge ahead to fight evil and allow light to conquer all darkness. It is a moment of hope. Let us seize it. J'invite tout le monde à partager ce moment d'espoir. Et face
à tous ceux qui peuvent nous paraître obscurs, restons convaincus et fermes dans notre croyance qu'avec Dieu, tout est possible. La seule chose qu'il nous demande, c'est de l'écouter et marcher avec lui. Toute approche qui exige que nous renoncions à nos propres désirs humains afin de nous hisser dans l'Esprit de Dieu est difficile. Oublions donc notre propre façon de faire et remplaçons-la avec la volonté de Dieu et nous allons ainsi vivre une transformation profonde, car c'est sa sagesse et non notre intelligence humaine qui nous dirigera. Bon Dieu, il donne nous un enfant. Sa naissance qui gagne plus célébrée dans le monde. La joie, la paix et l'espoir, il remplit nous les cœurs. Comment humain, nous compte bon sentiment qui naissant ses enfants y emmène et souffrance profonde qui nous expérience les temps quelque chose y a le mal. Linda avec moi, nous ne fait qu'expérience à la joie et naissance dans nos familles. Mais dans le même moment, nous avons aussi accompagné un zen couple qui n'expérience souffrance à cause de quelque chose d'inalmal. Au milieu de tout, on nous garde l'espoir que bon Dieu est avec nous, il compte en nous tout, et il y en a un plan pour nous, à cause de nous, nous sommes enfants. Frère Xé, Linda, Samuel, Caleb, Amos, Sacha et petit Kaya, ils joignent moi pour souhaiter un joyeux Noël rempli avec la paix et l'espoir. Qui bon Dieu, il bénisse tout aujourd'hui et demain. Laissons la paix et son bénédiction régner dans nous les cœurs et le nous joli pays Cécile. En nous, vive dans son espoir. On souhaite à tous un joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous. A blessed Christmas to all of you. We wish you a Merry Christmas.